Ebauchus, nous l'apprenons, l'hyper sous receivership. C'est une nouvelle extrêmement triste. Et pas si bizarre arriver ça. Il ne fallait pas servir COVID-19 comme une excuse. Qui m'a une compagne qui tient maintenant 3 mois de réserve? Qui m'a sa réserve-là un petit lapidé? Et sa réserve-là, l'île-là, tu peux servir ça pour sauver un autre chose, laisse-le respirer et garde un petit monde dans un emploi. Lui montrer qu'il finit la dilapidation des fonds d'un autre chose. Mauvaise gestion pendant ces derniers 4 ans, 5 ans. Mauvaise gestion. Et quand on connaît, il y a beaucoup de choses qui opèrent dans le corridor qui te fait la perte. Bon, par contre, quand ça va dans le monde là, incapable avec l'idée de faire beaucoup de choses opèrent dans le corridor, l'Afrique, l'Asie qui fait la perte. Un du monde peut voyager pour l'Éthiopie. Moi, vous pointe du doigt et vous dire gouvernement responsable pour la mauvaise gestion de Air Mauritius et pour la dilapidation des fonds. Et aujourd'hui, j'appelle M. Abdullah pour agir comme administrateur. Gouvernement, vous avez une rencontre. Qui manière Air Mauritius qui tient la réserve de 3 mois, sa réserve est dilapidée? Le board aussi, vous avez une réponse. Parce que vous ne pouvez pas mettre en péril le travail d'un timon qui nous donne cette place pour Ebauchus. Ebauchus, c'est un flagship. Ebauchus, c'était le touriste. Ebauchus, c'est l'honneur de l'île Maurice. Nous ne commençons pas l'escalier. Aujourd'hui, c'est une dilapide, ça fond là. Mauvaise gestion. Et c'est une ruine, Ebauchus. Moi, je dis Ebauchus, capable d'aider. Nous avons les moyens qu'ils ont donné à Ebauchus. Et non pas casser derrière COVID-19 pour licencier. Ben, tout le monde qui travaille dans Air Mauritius. En tant que l'opposition, en tant que leader de l'opposition, membre d'un parti qui connaît valeur Air Mauritius, qui m'a aidé depuis l'escalier, nous fait créer un flagship qui fait l'honneur à Maurice et qui développe le secteur du tourisme. L'impensable, il ne fallait pas laisser Air Mauritius tomber. Et moi, je dis comme un leader de l'opposition, pour pouvoir coter ça en travailler là, parce qu'il disait garde l'emploi dans Air Mauritius. Ce n'est pas correct ce qui est arrivé. Dilapidation, mauvaise gestion, et un mois salaire payant pour un travailleur, mais qu'ils ont fait en ça 3 mois réserve là. Finalement, c'était des avions neufs. Ça, des avions, on prend ça, on donne ça à une compagnie qui est rentable. On prend ça, on donne ça à South African Airways. On les connaît, ça aussi, il y a une réponse. Lorsque ça, des avions qui sont là, combien ils sont là, et qui fait donner ça à South African Airways, tu es capable de donner ça à une compagnie qui est rentable et tu gagnes les moyens nécessaires. Tout ça là, bizarre en l'appel. Moi, le gouvernement, bizarre m'expliquer point par point. Qui manière? Nous tiens la réserve 3 mois. Il dit la pizza. Ouvert corridor, l'Asie, l'Afrique, fight. Pas si nécessaire. Ferme la ligne qui est rentable et j'ai besoin d'expliquer. Et acheter des avions, donne ça à South African Airways, c'est la situation difficile. Et moi, je ne pas comprendre. Moi, tant qui nous gagne réponse et me dire, Bizet sauve Air Mauritius et sauve l'emploi de tous ces travailleurs.